Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir accepté ce grand entretien, le troisième depuis votre prise de pouvoir. Un large entretien pour toucher les grands sujets de préoccupation des populations, mais aussi pour parler de l'actualité internationale. Et pour planter le décor, pourquoi avez-vous choisi cette grande interview et non un message à la nation, comme il est de tradition à l'occasion du 3 août et ce, depuis 64 ans. Monsieur le Président, bonsoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Merci d'avoir organisé cet entretien et permettez-moi avant de répondre à cette question de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité au peuple nigérien, au peuple de la Confédération et à l'ensemble des victimes du terrorisme, sans oublier, bien sûr, les familles qui supportent le fardeau et les blessés actuellement dans les centres hospitaliers. Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa rahma à nos martyrs, qu'il couvre notre pays, le Niger, de sa rahma et l'ensemble des peuples de la Confédération. Effectivement, comme l'ensemble des Nigériens l'auraient constaté, le message à la nation attendu ce jour 2 août a été déjà adressé au peuple nigérien et à l'opinion internationale le 25 du mois de juillet. Donc, la journée du 3 août sera désormais consacrée journée de l'arbre et certainement les dispositions y afférentes sont prises et elles seront transmises, communiquées au moment opportun. Ce changement de cap qui est fondamental, national si on peut l'appeler et le qualifier ainsi. Monsieur le Président, le 26 juillet dernier, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, que vous avez l'honneur de présider, avec la lourde charge de présider aux destinées du Niger, a un an au pouvoir. Quel sentiment vous anime ce jour, en cette date anniversaire? Et depuis le 26 juillet 2008 à cette date, qu'est-ce qui vous a marqué profondément dans la gestion des affaires de l'État? C'est un triple sentiment qui m'anime par rapport à cet anniversaire. Un sentiment non seulement de lucidité par rapport au chemin parcouru, malgré les embûches, malgré l'adversité, malgré une opposition sauvage des puissances extérieures. Nous avons su, le 26 juillet, redonner au peuple nigérien un signe d'espoir. Et ce signe d'espoir, de souveraineté, a été la cause principale de tous les obstacles que nous avons dû surmonter au jour le jour pendant 365 jours. Le deuxième sentiment est un sentiment de fierté et de satisfaction. Fierté et satisfaction par rapport au comportement résilient, combatif et déterminé du peuple nigérien qui a su reprendre son destin en main en saisissant l'opportunité que lui offrait la journée du 26 juillet 2023. Enfin, le troisième sentiment qui découle de ce deuxième sentiment est un sentiment d'humilité. Humilité face au peuple qui est resté debout derrière le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et qui a su, pendant les 365 jours, sans faiblir, sans faillir, nous apporter les soutiens nécessaires qui nous a revigorés
et qui nous a encore stimulé de prendre conscience que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de notre peuple et vis-à-vis du peuple de la Confédération. Donc, un sentiment de lucidité face aux défis qui ont jalonné le parcours, un sentiment de fierté et de satisfaction face à la résilience et à la combativité du peuple nigérien et un sentiment d'humilité face aux nouvelles responsabilités que le peuple nous a conférées. Voilà les sentiments qui m'animent par rapport à cet anniversaire. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant cette période de un an de 365 jours dont vous évoquez tantôt? Ce qui m'a le plus marqué, je le dis, c'est la résilience du peuple nigérien. D'accord. Puisque vous le saviez, pendant ces 365 jours, nous avons vécu sous un embargo sauvage, irresponsable et inique. Ceci n'a pas découragé le peuple nigérien qui est resté debout et qui a suscité l'admiration au niveau même international. C'est très important de se rappeler de ce comportement vaillant du peuple nigérien, un peuple que nous retrouverons, que nous découvrons après avoir failli perdre l'âme des Nigériens. Voilà ce qui m'a le plus marqué. D'accord. Monsieur le Président, il est peut-être difficile de parler véritablement de bilan, mais à ce jour, un an après, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir en termes d'action, de réalisation et d'acquis dans les principaux secteurs de la vie de notre pays? Comme vous l'avez dit, c'est difficile de dire ce qui a été fait au bout d'un an d'exercice. C'est d'autant plus difficile quand on sait que nous avons vécu, comme je l'ai dit, sous un embargo total. Un embargo qui, a priori, ne devenait pas cher de la capacité de résilience des Nigériens. Beaucoup ont prédit notre effondrement au bout de deux semaines. Au bout de 365 jours, nous sommes toujours debout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la volonté du peuple nigérien et certains pays amis qui nous ont accompagnés dans ces moments particulièrement difficiles. Beaucoup de choses ont été réalisées. D'abord, le 26 juillet en lui-même est un jour de libération. C'est une œuvre monumentale qui a été accomplie à travers l'avènement du 26 juillet parce que nous savons dans quelles conditions nous avons trouvé les Nigériens et nous savons vers quelle destination ce régime déchu conduisait les Nigériens. Dieu merci et Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné de vivre des moments sombres à travers le 26 juillet 2023. Le 26 juillet 2023 a donné et redonné la dignité au peuple nigérien. C'est comme si vous trouvez un individu attaché, enchaîné à un poteau, vous le libérez et que quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous avez fait. C'est symbolique, mais c'était l'état dans lequel nous avons trouvé le peuple nigérien. Nous ne nous sommes pas arrêtés et sans prétention aucune à la libération du peuple nigérien. Nous avons compris le problème auquel notre pays faisait face et nous nous sommes attelés à y remédier, bien sûr, avec non seulement l'accompagnement du peuple lui-même, mais également de certains pays frères et amis.
Nous avons donné la dignité, l'espoir, la volonté de combattre, l'espoir qu'un avenir meilleur est possible, malgré l'endoctrinement des 65 ans passés, la volonté de reprendre le destin du peuple nigérien, de reprendre son destin en main. C'est cette volonté guerrière que nous avons réveillée au sein du peuple nigérien, et c'est ce réveil qui a fait que le peuple nigérien n'a pas senti la souffrance qu'on voulait lui imposer. Sur plusieurs domaines, nous avons fait beaucoup de choses. D'accord. Vous prenez le domaine sécuritaire. Nous avons trouvé une situation de chaos. Une situation de chaos qu'on ne peut comprendre que lorsque on la vit au quotidien et lorsqu'on est au Niger. Une situation sécuritaire née de la volonté de certaines puissances de continuer à nous dominer, mais malheureusement avec la complicité des Nigériens ou de certains Nigériens. Par rapport à ce désastre programmé, nous avons pris l'initiative de réorganiser rapidement un dispositif sécuritaire qui nous permettra, car nous le savons, que l'adversité qui s'est dessinée avait des sombres desseins pour notre pays. Et il nous fallait prendre rapidement le devant en adoptant notre dispositif aux objectifs de défense et de protection de notre population. Par rapport à ces mesures, je l'ai dit, le redéploiement, mais nous avons mis l'effort sur également la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. On entend souvent certains dire que le matériel que nous utilisons, nous l'avons trouvé. Il a été acheté par le régime déchu. C'est méconnaître la réalité. Ce matériel a été mis à la disposition des forces de défense et de sécurité nigériennes par la volonté de certains pays que j'ai tairé, mais pour lesquels aucun versement n'a été fait. Nous sommes arrivés sous embargo total et nous avons respecté les engagements pris par le régime déchu et procédé au paiement par échéance de ce matériel que nous exploitons. Nous avons également programmé la montée en puissance en effectif de nos forces de défense et de sécurité. Et le cas le plus récent est ce recrutement de 10 000 hommes qui a déjà commencé le 1er juillet et qui s'effectuera en deux phases pour des raisons de formation de qualité. Enfin, l'effectif étoffé, il faut donner une formation adaptée, une formation appropriée, une formation qui réponde au contexte d'insécurité dans lequel nous nous sommes retrouvés. D'accord. Nous avons également trouvé une situation qui s'est aggravée par l'embargo, comme je l'ai dit, sauvage et irresponsable. Sur le plan socio-économique, nous ne sommes pas restés le bras croisé à nous lamenter. Nous avons pris des initiatives endogènes qui consistaient d'abord à mobiliser les ressources internes nous permettant de faire face aux dépenses de souveraineté. Nous avons la fonction publique qui supporte des millions de Nigériens. Oui, tout à fait. Puisque nous avons cette particularité, derrière chaque fonctionnaire, c'est tout un village. Oui,
C'est des familles. Donc, il fallait préserver ces dépenses de souveraineté et vaille que vaille les assurer. Et grâce aux agents de la Direction générale des impôts, des douanes, du Trésor, une mobilisation au-delà des espérances a permis de satisfaire ce besoin de dépenses de souveraineté. Nous ne nous sommes pas contentés de payer que le salaire. Nous avons fait d'autres investissements. Nous avons assuré à nos scolaires, à nos étudiants, le paiement des arriérés de leurs frais d'études ou de certaines bourses qui datent de 2 ans, 3 ans. Oui. Malgré l'embargo, nous avons su assurer cette responsabilité. Nous avons, à travers le fonds de solidarité, qu'il est important de rappeler le rôle également qu'il a joué et qu'il continue à jouer, car c'est ce même fonds qui nous a permis, je ne l'ai pas dit, de réaliser plus de 200 véhicules au profit des forces de défense et de sécurité. La discrétion à certains moments et surtout face à certaines intentions que nous connaissons, nous recommande d'être réservés. C'est ça. Donc ce fonds de solidarité, en plus d'avoir accompagné l'équipement des forces de défense et de sécurité, nous a permis de lancer le programme de la grande irrigation qui permettra à court terme de satisfaire 50% des besoins alimentaires des Nigériens. En plus du fonds de solidarité, nous avons créé la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, la COLDEF, qui a permis à l'État de rentrer dans ses droits. Certes, pas dans tous ses droits, puisqu'il y a des auteurs qui sont en fuite. Oui, bien sûr. Mais ils reviendront et ils répondront et un seul COPEC ne saura disparaître. D'accord. À chacun son tour. Et comme le dit un proverbe, Haoussa, Karchen Tururua Ngurma, Soumye, vous connaissez en germain, Amadjiri Gades, Nkwando Deino Agabari, Zamafat Taïga Kang. D'accord. Agaye Gazum Buganda ou Igadouamo. D'accord. C'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc la COLDEF va continuer le travail pour lequel elle a été créée. Elle a été accompagnée par non seulement le peuple nigérien, mais par surtout les autorités qui ont toujours affirmé qu'elles n'interviendront jamais dans le fonctionnement de cette structure très importante pour notre pays. D'accord. Toujours dans le cadre des mesures socio-économiques que nous avons initiées, protéger un couloir stratégique qui a permis, malgré l'embargo, d'assurer la permanence du ravitaillement au profit de notre pays. Des populations, au profit des populations. Certes, rien ne saura satisfaire l'homme, mais les forces de défense et de sécurité du Niger, du Burkina et du Togo font un excellent travail pour permettre à notre pays de ne pas souffrir les affres de la faim ni du chaos. Même si sous d'autres toits, dans certaines chaînes, on dit que c'est l'effondrement. Et l'effondrement, Inch'Allah, se produira ailleurs, mais pas au Niger. Nous avons su tenir debout le peuple nigérien
est resté debout, le Niger est resté debout à travers ces deux premières mesures. La troisième mesure, c'est dans le domaine diplomatique et de coopération. Nous avons noué des relations de coopération avec des partenaires stratégiques et nous continuerons à nouer des rapports de coopération stratégique avec les partenaires qui respecteront l'intérêt unique du Niger et du peuple nigérien. D'accord. Ceci est également important à préciser, car certains qui se sont rêvés en maître éternel du Niger ont commencé, c'est vrai, il y a toujours les sursauts, mais ont commencé déjà à déchanter. C'est vrai, des pièges sont posés. Oui. Nous le suivons régulièrement à travers beaucoup d'autres actes malveillants bas que nous nous serons qualifiés. Alors, vous parlez un peu de ces menaces de déstabilisation et d'agression contre notre pays, monsieur le Président ? Bien sûr, il s'agit de cela. D'accord. Mais nous avons une mémoire d'éléphant. Nous n'oublions pas le moindre mot. Vous vous rappelez, quand les soldats français avaient commencé à quitter notre territoire, quand l'ambassadeur français Sylvain Ité avait pensé que c'est toujours la colonisation qui continuait et qu'il pouvait défier les nouvelles autorités et que nous l'avons mis à la porte, malgré que son mentor Macron avait chanté sous tous les toits que Ité a été accrédité au Niger auprès de Bazoum, non pas auprès de la République du Niger, mais auprès de Bazoum, et que pour eux, c'est Bazoum le président. Sylvain Ité a fini par partir. Suite à ce départ, c'est un agent de renseignement français, un ancien de la DGSE, un certain Vincent Crouzet, qui est sorti pour dire ouvertement que c'est l'occasion, après le retrait de leurs forces, après le départ de Sylvain Ité, de déstabiliser le Niger par des actions clandestines. Nous n'avons pas pris ces propos à la légère et aucune affirmation ne doit être prise à la légère. Mieux, il ne faisait que répéter ce qu'il a entendu auprès de ses maîtres, notamment le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bokel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. D'accord. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. Le commandement pour l'Afrique est une version camouflée des troupes que nous avons chassées. D'accord. Parce que c'est un commandement qui se fera avec une certaine réorganisation, notamment les troupes qui sont au Tchad,
particulièrement à N'Djamena, seront réduites de leur effectif pour ramener à 350, je dis bien N'Djamena, oui. 350 mmh. hommes. Les troupes qui sont au Gabon actuellement autour de 400 vont être ramenées à une centaine. Mmh. Les troupes ivoiriennes, elles seront maintenues. Ils ont dit qu'ils ont à peu près 600 hommes. Ça, c'est leur problème. Ils vont les maintenir. Ils vont créer deux commandements supérieurs mmh. qui seront un basé à Dakar au Sénégal et le deuxième à Libreville au Gabon. Mmh. La différence pour verser la poudre aux yeux des Africains consistera dans le commandement qui sera désigné. Ça ne sera plus des chefs qui vont venir de la métropole, mais ce sont les attachés de défense qui vont assurer le commandement. D'accord. Et à travers ça, un chef d'état-major au nom d'un certain Pascal Yanni a été désigné. Mmh. Et le 4 septembre de cette année, ce commandement sera fonctionnel avec par position 50 à 60 hommes qui vont monter en puissance pour être à 100 ou 150 hommes. Mmh. Avec un commandement, comme je le dis, discret, oui. parce qu'il sera assuré par les attachés de défense qui sont déjà sur place au niveau des ambassades, des pays qui ont bien sûr les ambassades françaises. Bien sûr. Mais c'est certainement pas le cas du Niger mmh. et ça ne sera certainement pas le cas du Niger. D'accord. Donc cette volonté maladive de déstabiliser le Niger s'est propagée mmh. à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE française que nous avons chassés de notre territoire. Ils sont repositionnés au Bénin, mmh. je le dis et je le répète. Ils sont repositionnés au Nigeria. Vous savez le fameux Thomas Glioso, mmh. qui était le chef de poste niveau 2, ici à Niamey, oui. qui était passé pour être juste le chef de la sécurité de l'ambassade. Mmh. C'est un agent de la DGSE française. Et ce que j'ai dit... Oui. Et une évidence. D'accord. Je vais vous faire un peu sa biographie. Il est né le 7 juillet 1974 à Paris, mmh. 18e. D'accord. Il est titulaire d'un doctorat en droit. Après avoir fait un diplôme d'études approfondies en droit comparé. Mmh. Ce gars occupait le poste du chef de poste niveau 2 au Niger et il n'est pas le seul. D'autres que nous avons expulsés à partir de la base aérienne oui. se sont retrouvés, comme je l'ai dit, au Bénin, au Bénin, au Nigeria. Mmh. Le cas de Thomas, qui est vérifiable, il a rejoint le Nigeria en février de cette année. Mmh. Mmh. Il est présentement à Abuja avec des va-et-vient à Kaduna et Sokoto. Nous le suivons, nous le surveillons, ainsi que tous les autres fuyards qui sont tapis dans leur villa de Ministers Hills à Abuja. Abuja. D'accord. Nous les surveillons et qu'ils s'assurent que le dessin sombre mm-hmm. qu'ils présagent pour le Niger retombera, Inch'Allah, sur eux. Mm-hmm. Cette volonté de déstabilisation et une certitude. Mmh. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin, mmh. parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de Swap, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes
de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Oui. Boko Haram et Iswap ne se sont pas entendus. Et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, où ils ont encore livré à travers deux hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. D'accord. Ça s'est passé à Koukoulewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 km à l'est, nord-est de Bosso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci, à Boultungour. Boultungour, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bosso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris les dispositions pour effacer les numéros, pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posé et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes, à Niamey, ici même à Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout, mais qu'ils sachent que nous les surveillons. Et eux et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité. Nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ses services de renseignement des éléments de la DGDSE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi deux Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W béninois. Mais le W béninois est entre les mains des Français. Le parc du W. Mais le parc du W, il est entre les mains des Français. D'accord. Les services de renseignement de la DGDSE sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. D'accord. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour enlever, pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. Bien sûr. C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les deux otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages, c'est des spécialistes en artifice, en technique de guérilla et de combat
sous-bois. Ces gens ont été conduits dans la base de Fada où était l'émir Jafar Diko, alias émir Mahmoud. D'accord. Ils ont formé ces terroristes dans la pose des engins explosifs improvisés, dans les techniques de combat, de recherche, de renseignement. Après cette base, un certain Jul Habib et Sambo Doctoro étaient partis avec une Toyota Land Cruiser, récupérer ces deux spécialistes pour les amener vers une autre position qui était entre le village de Boulel et Boulkassi. Pour ceux qui connaissent cette zone, c'est à l'intérieur du Burkina. Ces gens étaient jusqu'à la date du 15 juillet sur cette position. Ils continuent à entraîner les terroristes alors que les Français les ont fait passer pour être enlevés par des terroristes. Ouais. Alors qui est le vrai terroriste? Ah, oui. Donc c'est pour vous donner une idée. Beaucoup d'autres actes dont nous avons des éléments. Bien sûr. Non seulement des éléments vocaux, mais des éléments écrits pour étayer ce que nous disons. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. D'accord. C'est une parenthèse. Et au moment opportun, nous sommes prêts à porter toutes les preuves de ce que nous disons actuellement. D'accord. Donc, cette volonté de déstabilisation, les Nigériens doivent le comprendre, est réelle. Il n'y a rien d'imaginaire. C'est une volonté et la France n'hésitera pas, à travers, en tout cas, les autorités actuelles, à passer à l'acte dès que les Nigériens auront baissé la garde. Nous ne baisserons pas la garde. D'accord. Le Niger sera debout, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le Président, indépendamment de toute cette situation que vous venez de créer sur la déstabilisation de notre pays, pouvez-vous rassurer un peu de plus les plus sceptiques que le Niger est tenu et dans la bonne voie pour recouvrer pleinement sa souveraineté? Ça ne sert à rien de chercher à rassurer un sceptique. D'accord. Rassure le compatriote qui est convaincu de ce qu'il fait, qui est convaincu de ce que vous faites, d'accord, qui est convaincu de votre engagement, qui est convaincu de votre sincérité à le conduire vers la prospérité. Les sceptiques, nous n'avons pas le temps pour les sceptiques. Okay. Quand ils se rendront à l'évidence qu'il n'y a plus d'autre alternative que d'être du côté du Niger, ils reviendront d'eux-mêmes dans les rangs si Dieu accepte de les sauver. D'accord. Car ça également, c'est une rahama d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramener quelqu'un à comprendre qu'il s'est trompé et qu'il revienne dans les rangs. D'accord. C'est ce que je peux dire par rapport aux sceptiques. D'accord. Monsieur le Président, il y a un point sur lequel on va insister un peu. Quels sont les efforts en matière de justice sociale et de lutte contre la corruption et la vie chère? Je l'ai dit, les mesures sont prises et elles continueront à être prises. Notamment la vie chère. Oui, la vie chère. La vie chère a un lien, en tout cas au Niger, avec ce que je viens de dire. Nous avons des éléments où les agents français avaient pris contact avec des opérateurs économiques. Nous avons des éléments audio, nous avons des éléments écrits, où il demandait à ce dernier de faire disparaître toute leur quantité de vivres des magasins, de les disséminer dans des pays favorables. Quand je dis favorable, pas favorable au Niger, bien sûr. Oui. Et nous savons ces pays où ces quantités ont été disséminées. D'autres ont purement et simplement intercepter des bateaux chargés de vivres qu'ils avaient commandés
pour les revendre, tout simplement pour créer la pénurie au Niger et pousser le peuple à dire trop, c'est trop au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais ils sont venus trop tard. Ouais. Le peuple a compris là où il va. Plus personne ne le détournera de l'objectif de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Nous avons certainement, et ce n'est pas notre souhait, d'abuser de la confiance que le peuple a placée en bien nous. Sûr. Nous comprenons les souffrances du peuple parce que nous les avons vécues et nous les vivons avec le peuple. D'accord. Nous avons pris les dispositions pour mettre des sommes importantes à la disposition de l'OPVN pour acquérir sur le marché les céréales. Le ministre du Commerce, le ministre délégué aux Finances, le directeur général de l'OPVN ont fait 2 semaines de mission dans des pays amis afin de constituer des stocks qu'on mettra soit gratuitement, soit à prix modéré à la disposition des populations nigériennes. Nous avons agi également sur certaines taxes pour permettre aux commerçants, mais commerçants humains, humain, de baisser le prix. Et vous l'avez vu, certains ont accepté de nous accompagner. Les autres, puisque nous savons déjà le dessein qui était caché derrière leur connexion avec ces Français, ne vont jamais baisser le prix afin de permettre aux populations d'assurer la survie, puisque un pays qui est sous embargo, oui, bien sûr, on ne peut parler de survie. N'eût été la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension de certains pays qui nous ont accompagnés, nous ne saurons pas dire où est-ce que nous serions. Nous en serons aujourd'hui. Certainement pas. D'accord. Donc, c'est des mesures que nous avons prises et toujours, je l'ai parlé, je l'ai dit, j'en ai parlé, la grande irrigation. C'est peut-être pas immédiat, mais c'est une voie. Oui. Toujours dans le sens de rendre la vie moins chère. Moins cher. Nous avons fait ce que personne n'a fait depuis que le Niger est producteur de pétrole, baisser le prix. Oui. Certains disent c'est 41 francs, d'autres disent c'est juste 50 francs. Oui. Mais nous, au moins, nous avons eu la conscience de baisser. Oui. Certains, ce que la population attendait depuis très longtemps. Hein, depuis 12 ans, certains, voilà, rappelez-vous, en 2022, ont plutôt augmenté de 100 francs le prix du litre de gasoil, bien sûr, au lieu de réduire et d'alléger les souffrances. D'accord. Donc, même si c'est un franc que nous avions décidé de réduire sur le prix du litre, c'est une réduction. Nous n'avons pas augmenté un franc. Nous avons déduit un franc. Et nous avons fait mieux. C'est 41 et 50 francs que nous avons déduit de prix des litres, soit c'est l'essence ou le gasoil. D'accord. Voilà ce que nous avons fait, sans être exhaustif, bien sûr, pour répondre à cette question de vie chère et des difficultés auxquelles chaque foyer nigérien est confronté. D'accord. Monsieur le Président, après la prise de pouvoir par l'armée le 26 juin 2023, plusieurs de nos partenaires politiques, financiers et techniques ont suspendu leur coopération avec le Niger. Mais depuis lors, les Nigériens observent tous les efforts diplomatiques que le CNSP et son gouvernement sont en train de déployer pour une reprise de la coopération avec ses partenaires. L'on peut dire qu'il y a aujourd'hui une reprise totale de la coopération avec nos partenaires. Qu'en est-il exactement? Depuis
le 26 juillet, le CNSP a tiré les leçons de ce qui s'est passé à compter du 30 juillet où la CEDEAO, sous l'injonction d'Emmanuel Macron, je ne dirais pas de la France, mais d'Emmanuel Macron, la CEDEAO a décidé de nous mettre sous embargo sauvage, je le répète, irresponsable, unique. Nous avons tiré les leçons puisque beaucoup de partenaires, sous le couvert de la démocratie, la grande démocratie, qui punit 27 millions de Nigériens pour un seul individu. Nigérien, entre parenthèses. Oui, bien sûr. D'accord. Cette communauté qui nous a abandonnés, comme l'avait dit, si bien dit, Choguel Maïga. Oui, le premier Somalien. En plein vol. D'accord. Ces différents partenaires, nous leur disons toujours, chaque fois que nous avons l'opportunité d'échanger, que nous tournons la page, mais nous n'arrachons pas la page. Nous avons appris de leur comportement. Nous avons créé les ressources endogènes pour nous permettre d'être debout 365 jours. Oui. C'est un départ et le Niger n'est pas prêt de retourner sur la position avant le 26 juillet 2023. D'accord. Que ceux qui veulent nous accompagner, nous accompagnent, mais avec nos conditions, parce que c'est nous qui savons où nous avons besoin d'être accompagnés, dans quel domaine, et que c'est dans ces domaines que nous devons être accompagnés. Mais la priorité des priorités reste dans la capacité de résilience du peuple nigérien, dans la capacité de mobilisation des ressources internes malgré l'adversité. Nous l'avons compris, personne ne fera le bonheur du Niger à la place des Nigériens. C'est aux Nigériens de comprendre cela, et ils l'ont compris, et ils l'ont compris depuis le 26 juillet 2023. Tous ceux qui viendront respecteront notre souveraineté politique, économique, sécuritaire et autres. C'est irréversible. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire par rapport aux partenaires. Est-ce à dire, monsieur le Président, qu'à partir d'aujourd'hui, ces partenaires qu'on a vus par le passé ne viendront plus nous imposer quoi que ce soit? C'est à nous autres Nigériens de décider de ce que nous voulons, c'est ça? Je n'ai pas besoin de le dire. Poser la question à un enfant de 4 ans, d'accord, pour ne pas descendre en dessous, pour qu'on ne me qualifie pas de ce que je ne suis pas, d'accord, mais demander à un enfant de 4 ans, vous le voyez, vous voyez, patriote, oui, oui, on l'a vu, bébé, hein. Patriote, oui, bien sûr. Bébé patriote à 4 ans, oui. Posez-lui la question. La fille qu'on voit souvent, elle vous répondra. Au cours des manifestations. Et c'est la même chose pour tous les Nigériens. D'accord. Nous avons atteint un point de non-retour. Personne, plus personne, aucun État, je l'ai dit dans le message à la nation du 25 juillet, aucun État, aucune organisation étatique ou non-gouvernementale ne nous dictera ce que nous devons faire, nous, ce que nous ne devons pas faire. D'accord. Nous avons tiré les leçons des 12 mois d'embargo et notre marche est irréversible. Tout celui qui veut venir, qu'il vienne, mais qu'il vienne à nos conditions. D'accord. Nous avons compris que nous sommes dans un monde de relations géostratégiques où, certes, les intérêts
de l'autre qui viendra vers vous doivent être préservés, mais d'abord les intérêts des Nigériens. D'accord. Et ça, dans tous les domaines. D'accord. Monsieur le Président, et toujours en ce qui concerne la diplomatie, nos relations avec le Bénin, constituent un grand sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Ce qui s'est passé avec le Bénin, je ferai peut-être l'économie de m'étendre, mais il est de mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin et peut-être la lueur d'espoir également dans le cadre toujours de nos relations avec le Bénin. J'ai dit bien peut-être. D'accord. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, le président Talon, c'est à partir d'Abuja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles qui chargeaient au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malanville, poste frontalier. D'ailleurs, l'unique que nous avons avec le Bénin. C'est à partir de Abuja au Nigeria qu'il avait pris cette décision. Parce qu'il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin en main. Tout à fait normal, en tant que président du Bénin, qu'il donne des ordres. Même si nous pensons qu'il y avait une autre façon de faire, qui consistait à laisser transiter ce qui est chargé au port de Cotonou. Mais c'est une décision souveraine prise par un responsable d'un État souverain. Nous avons vécu cet embargo total du côté de notre poste frontalier avec le Bénin. Le pipeline, entre-temps, les travaux n'ont pas été impactés par l'embargo. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline, aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords entre la République du Niger et la République du Bénin, qui disait qu'en aucun cas les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peut être entravé par l'une ou l'autre des parties. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant levé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. La frontière, oui. Quand ils ont fermé la frontière, nous avons acté. Nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi. Quand il va de notre sécurité, sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin, quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base, mais une action de déstabilisation subversive
ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Mm-hmm. Sinon, ça ne serait pas une action subversive. La subversion, les gars n'ont qu'à consulter le dictionnaire. Que veut dire, en termes littéraires, la subversion? Sans parler du domaine des spécialistes. Que veut dire la subversion? Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous, nous savons ce que nous savons. D'accord. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. D'accord. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandy. Le 26, déjà, ils étaient à Kandy. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tourou. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressement. Oui, toujours au Bénin. Au Bénin, à Tourou. D'accord. Tourou est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Tourou est à 6,8 km à l'ouest de Tourou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2h du matin, le deuxième à 3h du matin pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait régler les comptes au Niger. Nous savons que des agents de renseignement en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandy le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga qui fait 2 km 100 à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur du W côté Bénin, 2 km donc de la frontière burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement, chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. D'accord. Donc nous savons que c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kouara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français.
Nous savons que l'école normale de Kandy, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandy, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, immatriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. D'accord. Nous savons également, toujours dans leur recherche, des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger, ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela avec les effectifs précis. Ouais. Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises, eux-mêmes en tenue civile. D'accord. Donc, nous savions tout ça. Nous savions mieux que ça, des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Du Bénin. Et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Mais comme ils ont une grande capacité de zoom, ils pouvaient effectivement prendre des images, d'accord, découvrir des points de passage, découvrir des points de vulnérabilité, découvrir nos positions. Mais étant à l'intérieur du Bénin, nous ne pouvons pas agir sur ces éléments, bien sûr, ni agir contre ces éléments. Donc nous savions tout ça. Nous l'avons dit, le Bénin n'a pas semblé nous écouter. Les gens ont fait du dilatoire pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Il y a des agents, d'accord, de déstabilisation subversive français à l'intérieur du Bénin. Ils ont fait leur relève début du mois de juillet. Nous les suivons. D'accord. Une nouvelle équipe est venue. Leurs relèves ont eu lieu le 5 juillet. Nous le savons. Qu'ils sachent que nous le savons. D'accord. Et qu'ils s'en tiennent pour dire que nous épions tous leurs faits et gestes. Ces agents français étaient ceux-là même qui ont donné des instructions directes aux terroristes pour vider tous les villages agricoles de la région de Tillabéri. Ils ont donné des instructions claires de massacrer des populations pour les pousser à quitter et ne pas exercer d'activité agricole. Oui. Nous le savons. D'accord. Ils ont fait pire que ça. Mais nous savons tout ça et nous tenons compte de tout cela pour décider de la sécurité des populations nigériennes. D'accord. Le Bénin, le président Talon a fait beaucoup de tapage sur le fait qu'il avait envoyé un émissaire vers son frère Tchani, un frère qu'on affame parce que Macron l'a voulu, et un frère qu'on pense qu'il y a encore des liens de fraternité avec ce frère qu'on a voulu déstabiliser. Mais rétablissons les faits, puisque je n'ai jamais parlé de ça. Aujourd'hui, je parlerai de ça. De quoi s'agit-il? Le 26 du mois de juin, le PDG de China National Oil Development Company,
étaient venus ici, à Niamey. Je l'ai reçu en audience avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Il a émis le vœu qu'une rencontre puisse avoir lieu, une rencontre tripartite. Au moment de l'audience, il y avait le conseiller technique en matière du pétrole, il y avait la DGA du WAPCO qui était présent. Je les avais instruits de prendre contact avec le ministre du pétrole pour trouver une date avant le 31, date à laquelle cette rencontre tripartite entre le Bénin, le Niger et WAPCO pouvait avoir lieu. C'est ce qui a été fait. Déjà, les échanges sont partis le 26, je crois, du mois de juin. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie du Bénin était venu dans le cadre de cette rencontre tripartite. Il se trouvait qu'au moment où il était venu au Niger, le Premier ministre était en déplacement. Le ministre de la Défense qui assurait son intérim oui. était en déplacement. Malheureusement, la deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire qui devait assurer l'intérim était le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Oui. Il était couché. Couché, ouais. La troisième, c'était le ministre de la Santé qui a reçu le ministre béninois à l'issue de la rencontre qui avait duré 2 jours, 48 heures, dont les images ont circulé, ont été passées à la télé nationale, où il se disait satisfait de la mission qu'il avait effectuée dans le cadre de cette rencontre tripartite. Tout d'un coup, il a pensé qu'il est porteur d'un message du président Talon vers le président Tchani. Et il a souhaité me rencontrer. Le message officiel font l'objet d'un traitement spécifique à travers le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Il aurait fallu qu'il le dise avant de quitter le Bénin. Après la rencontre tripartite, il souhaiterait transmettre au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie un message de son frère, le président Talon. Le ministère des Affaires étrangères lui aurait répondu en fonction de mon calendrier. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Et voilà la vérité, les faits, et ça a donné lieu à une polémique internationale. Puisque je crois que le président Talon était à l'époque au Brésil quand il a fait un tweet pour dire que le méchant président de la transition du Niger a refusé de prendre la main fraternelle qui lui avait été tendue à travers un porteur de messages. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Et ce sont des faits. Ce n'est pas un tissu, c'est des faits et les faits sont vérifiables. Donc, tous ces agissements ont conduit les deux parties à être chacune sur ses gardes. Bien sûr. Nous avons la responsabilité de la sécurité de notre pays. Nous avons la responsabilité de la sécurité des citoyens nigériens. Nous prendrons les mesures nécessaires pour ne pas répondre devant Dieu d'avoir trahi la confiance des Nigériens. D'accord. Le jour où nous saurons qu'il n'y a aucune menace du côté du Bénin, nous prendrons les mesures appropriées. Et nous espérons, à travers les démarches déjà qui sont initiées de part et d'autre, particulièrement, je profite pour remercier le président Soglo et le président
Yaïboni, qui ont fait le déplacement, tout à fait, malgré le poids de l'âge, pour venir vers nous et nous demander de renouer le fil du dialogue. D'accord. Dans la même lancée, nous avons envoyé une mission qui est partie, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et qui a échangé et au retour qui nous a fait le point de cette mission. Il y a des perspectives, d'accord, mais la sécurité est l'urgence la plus urgente. D'accord. Donc, il y a des perspectives, oui, de reprise, mais la sécurité d'abord, conditionnées par les mesures de sécurité. D'accord. C'est une question de responsabilité, vis-à-vis du peuple nigérien. D'accord. Monsieur le Président, le 6 juillet 2024, le monde entier a été témoin du sommet populaire, si je puis m'exprimer ainsi, et historique de l'AS à Niamey. Tout était historique, à la fois la mobilisation populaire, la rencontre des trois chefs d'État, la réussite du sommet et les décisions fortes qui en ont découlé. Monsieur le Président, quel sentiment vous anime à ce propos? Le sommet du 6 juillet a été un sommet à tout point de vue exceptionnel. D'abord, à commencer par la mobilisation pour l'accueil. Déjà, le 5 juillet, dans l'après-midi, lorsque le président Ibrahim Traoré avait atterri sur l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. D'accord. Compte tenu de la mobilisation de ce jour, nous avons pensé que pour rendre la courtoisie à cette mobilisation, il fallait marcher. Et c'est ce que nous avons fait de l'aéroport jusqu'aux encablures du palais présidentiel. Ouais. Avec le président Ibrahim Traoré, parce que nous ne pouvons pas concevoir d'être assis dans les véhicules et passer sans dire merci à ceux-là même qui ont pris d'assaut la voie express depuis 14h30 jusqu'à 18h et pour certains même jusqu'à 21h. Ils étaient restés sur l'itinéraire. Le trajet. Donc, déjà, en termes d'exception, c'était exceptionnel. Mieux, le 6, avec l'accueil de mon frère également, Assimi Goïta, où la population était sortie également en nombre pour l'accueillir. Mais compte tenu des délais, oui, pour cette fois-ci, nous n'avons pas pu marcher. C'est ça. Certainement, nous avons déçu beaucoup qui étaient venus voir ce qui s'est passé le 5, réédité le 6. Et malheureusement, nous nous en excusons. D'accord. C'était les délais qui ne nous permettaient pas. Parce que s'il fallait marcher, ce n'est pas moins de 2 heures, 3 heures, et c'est une rencontre prévue pour durer une journée. Donc, compte tenu des délais, nous n'avons pas pu marcher et rendre la courtoisie à ceux qui étaient sortis. N'empêche, ils ont fait le déplacement pour être aux alentours du centre de conférence Mahatma Gandhi, où la rencontre dans une salle archi-comble avait eu lieu. Les images ont passé, des décisions ont été prises, que vous retrouvez certainement à travers les documents de la Confédération, puisque à compter du 6, les conclusions, pour synthétiser, sont essentiellement le passage de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération Alliance des États du Sahel, étape intermédiaire vers une fédération, Inch'Allah. D'accord. De grandes décisions ont été prises, décisions qui ont su
faire la différence avec les textes de la CEDEAO qui nous ont poussés, contraints, oui. déjà le 16 septembre, à nous retrouver au sein de l'Alliance des États du Sahel et le 28, sortir carrément de cette CEDEAO qui voulait, par tous les moyens, nous ramener dans les rangs de la vassalisation, dans les rangs de la colonisation. Nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé avec la CEDEAO pour prendre des mesures fortes avec des garde-fous qui ne permettront à personne, à aucun État, aucun individu ou groupe d'individus d'être une menace à un État souverain. Ce sont ces grandes mesures qui ont été prises où tout est basé sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Ce sont des principes fondamentaux. La non-agression. Aucune mesure de coercition ne peut être prise contre un État. Aucune agression entre les États membres de la Confédération. Et en quatrième ou cinquième principe, la défense des intérêts du peuple. La défense des intérêts du peuple. C'est très important. D'accord. Si la CEDEAO avait ce principe, elle n'allait pas priver oui. d'électricité 27 millions de Nigériens. Monsieur. Tout simplement parce qu'il fallait mettre le Niger sous cap ou sous coupe réglée. D'accord. Le Niger est debout. Inch'Allah, le Niger restera debout face à toute adversité. D'accord. Monsieur le Président, par rapport à cette question de CEDEAO, on a vu quelques tentatives de certains pays pour amener les États de l'AS au sein de la CEDEAO. On peut dire aujourd'hui que ce départ de la CEDEAO des trois États de l'AS est irréversible et définitif. Mais ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas besoin de répondre. D'accord. On ne peut pas être à la Confédération et nous parler de la CEDEAO. Je vous ai dit, la Confédération est une étape intermédiaire. D'accord. Nous allons, Inch'Allah, vers la fédération. La CEDEAO est derrière nous. Et pour ceux qui disent que les peuples de l'AES ou de la Confédération de l'AES ne pourront plus circuler dans les États de la CEDEAO, ils sont d'abord combien ces États de la CEDEAO Il y avait 16. Oui. Un est parti. Voilà. La Mauritanie. Tout à trois fait. Autres sont partis. Oui. Et là, il ne reste que 12. Burkina, le Mali et le Niger. Il y a 12. Nous sommes à 194 États reconnus aux Nations Unies. Oui, à travers le monde, oui. Comment les Nigériens se débrouillent dans les restes de ces États-là? Dans ces 182 États, est-ce que c'est la CEDEAO, c'est les règles de la CEDEAO qui s'appliquent dans les 182 États? De la même façon que nous avons des ressortissants au sein de la CEDEAO, ces pays de la CEDEAO ont des ressortissants au Niger. D'accord. Que personne ne se laisse divertir. Toute mesure contre la Confédération se verra immédiatement appliquer la réciprocité. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Je crois que je n'ai pas besoin de répondre. Les faits doivent répondre à ma place. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le samedi 13 juillet dernier, le Premier ministre a rendu public le document qui inscrit dans le marbre votre vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère, ce qu'on dit habituellement l'Aboussani Zantiankassa. Cette vision articulée autour de quatre grands axes résume votre ambition pour un Niger nouveau, souverain, prospère et en sécurité. Par ailleurs, nos générations actuelles ont été les témoins privilégiés de vos décisions courageuses et historiques de réintégrer dans le domaine public l'État nigérien les permis pétroliers et miniers de Bilma
R5, R6 et R7, ainsi que Imoram, entre autres. Ce qui confirme votre volonté, Monsieur le Président, celle du CNSP et de son gouvernement, d'affirmer la souveraineté du peuple nigérien sur ses ressources naturelles. Question, Monsieur le Président, dans votre politique de refondation de l'État nigérien et de reconquête de notre souveraineté, quelles seront les prochaines étapes et les derniers chantiers à venir? Merci. Vous avez dit la Boussanino, Zanchan Kassani. Je commenterai encore. Hala Ledunan. Hala? Hala Ledunan. Ah, ok. Lady Amen. Pipe Niger. Lady Amen Niger. D'accord. Hana Hala Ledu France. Na Pipe France. C'est ce que je vais ajouter. C'est un peu, Monsieur le Président? C'est un peu, et d'accord, que ceux qui comprennent, comprennent. Et d'accord, que ceux qui ont des difficultés à comprendre, comprendront un jour. D'accord. La Boussanino, Zanchan Kassani, ce n'est pas seulement un groupe de mots, c'est un état d'esprit. Quand vous dites la Boussanino, vous devez avoir conscience qu'il n'y a rien en dehors de votre foi qui elle-même recommande loyauté envers sa patrie. Aucun acte, aucun sacrifice, quand vous dites Zanchan Kassani, n'est hors portée du Nigérien qui dit Zanchan Kassani. De la même façon dont les forces de défense et de sécurité sont en train de consentir les sacrifices ultime de leur vie, oui, tout celui qui dit « La Boussanino, Zanchan Kassani, Hale Lady Non » doit se dire qu'il doit se sacrifier s'il le faut, mais pour le Lady Niger. D'accord. Pour la terre de nos ancêtres, pour le Niger. « La Boussanino », ce n'est pas un slogan pour demander des postes. Oui. « Zanchan Kassani », ce n'est pas un slogan pour demander des privilèges. Hale Lady Non, c'est un slogan pour être disponible 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, sur le faux, pour défendre la patrie. D'accord. C'est ça que les Nigériens doivent comprendre. Comprendre. Pour revenir au document auquel vous avez fait allusion. Oui, sur votre vision. Oui. Cette vision ne date pas de hier. C'est un document, le directeur de cabinet ici présent peut le confirmer, qui date de octobre 2023. D'accord. Mais chaque chose, deux facteurs essentiels doivent être pris en compte, qui sont le contexte et l'opportunité. La Boussanino, qui se retrouve à travers ce document, répond à un contexte. L'opportunité de le porter à la connaissance des Nigériens ne s'était pas présenté en octobre. D'accord. Pour des raisons évidentes et connues des Nigériens. Nous avons attendu et nous avons entendu des Nigériens qui disaient que nous naviguons à vue. À vue, tout à fait. Mais nous savons ce que nous faisons. Cette vision, vous l'avez rappelé, était portée sur quatre axes. Défense, sécurité, la gouvernance, qui rend sacré la bonne gouvernance, le bien de l'État. Ensuite, la diplomatie, qui est un chapitre important. Également, nous avons la justice sociale, la dont justice vous avez parlé tout à l'heure. Oui, la justice sociale. Le développement de la productivité. D'accord. Donc ce sont ces quatre axes qui sont compilés dans cette vision.
que nous avons voulu offrir aux Nigériens pour qu'ils comprennent où nous voulons aller, et comment il faut aller. D'accord. C'est des bas tactiques, comme on dit, où aller, comment aller. D'accord. Effectivement, c'est ça que le Premier ministre avait présenté, le 13 du mois de juillet, puisque l'opportunité de le présenter était enfin arrivée. Tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est juste. Et le juste moment était arrivé le 13 juillet pour présenter ce document aux Nigériens qu'ils peuvent consulter et voir que, avec leur aide, le Niger restera debout, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le Président, un dernier sujet qui revient dans les débats, c'est celui de la tenue des assises nationales. Qu'en est-il à ce jour? Parce que les Nigériens posent cette question couramment, régulièrement. Qu'en est-il à ce jour, Monsieur le Président? La réponse, vous l'avez déjà à ce que je venais de dire. D'accord. Contexte, opportunité. OK. Contexte, opportunité. D'accord. Que le Nigérien comprenne que nous sommes inscrits dans cette démarche. Les assises, ça fait près de 3 mois. Un comité ad hoc est mis en place. Un comité qui est en train de regrouper tous les travaux déjà réalisés au niveau des régions. Puisque les 8 régions ont tenu des sessions de travail, elles ont fait des propositions, propositions qu'on leur avait demandées, puisque certaines parties se sont senties à un certain moment en dehors de la marche. Nous leur avons dit d'approcher toutes les parties pour que chacun donne sa proposition, sa contribution. D'accord. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce que le comité est en train de travailler depuis près de 3 mois. D'accord. Le moment opportun, quand l'opportunité, qui est le deuxième facteur, se présentera, les Nigériens seront informés et prendront part pour que, ensemble et de façon consensuelle, nous puissions sortir quelque chose qui fera du Niger ce pays qui a définitivement acquis sa souveraineté, ce pays qui se tiendra, Inch'Allah, debout face à l'adversité, ce pays qui a pris conscience et qui s'est approprié ses ressources pour que ce pays tourne le dos à l'étiquette de dernier au classement de l'indice de développement humain qu'on nous a toujours martelé et qu'on nous a convaincu en fin de compte que c'est une vérité. Alors que c'était une chimère pour mieux nous exploiter. Donc, les Nigériens vont se prononcer pour que aucun Nigérien, même élu, ne puisse abuser du pouvoir et transformer le pouvoir qui lui a été donné par le peuple, qu'il ne puisse utiliser comme il l'entend et faire du pouvoir sa propriété personnelle où il peut dire, faire ce qu'il veut. D'accord. Tout sera encadré par des textes. Et ceux qui sont là à dire qu'ils attendent 1 an, 2 ans, que la transition parte, qu'ils reviennent reconduire les mêmes attitudes, alors ils ont du pain sur la planche parce qu'ils attendront longtemps. D'accord. Le peuple nigérien prendra des dispositions pour que ceux qui sont partis par la petite porte, ne puisse revenir même par la fenêtre. D'accord. Ça, c'est un serment. D'accord.
Merci, M. le Président. M. le Président, vous avez annoncé lors de votre message à la Nation la création d'une nouvelle raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso. Peut-on avoir d'amples précisions sur ce projet que beaucoup de Nigériens attendent aujourd'hui? Effectivement, c'est un projet qui s'inspire de la réappropriation des ressources naturelles du Niger par les Nigériens. D'accord. Nous avons du pétrole, même si jusqu'à une certaine époque, on nous a fait comprendre que c'est de l'eau, mais nous avons découvert que c'est du pétrole. D'accord. Et malheureusement, ce pétrole, ceux qui ont passé leur temps à dire que c'est de l'eau, sont ceux-là même qui font une exploitation familiale du revenu ou des revenus du pétrole, qui ont endetté le Niger en prenant des sommes colossales pour des besoins privés personnel au détriment du peuple nigérien. Nous avons compris que ce pétrole qui est dans le sous-sol nigérien doit profiter aux Nigériens. Et nous sommes résolus à exploiter de la façon la plus transparente, mais la plus profitable au peuple nigérien, ses ressources pétrolières. Pour ce faire, il va falloir mettre fin à l'exportation du pétrole brut. Nous avons un marché, nous avons une confédération qui est un marché de plus de 72 millions d'habitants avec des besoins énergétiques énormes. Nous voulons être le centre du monde à travers les échanges par voie ferroviaire, par voie aérienne, par voie routière. Nous aurons besoin de beaucoup d'unités industrielles. Il nous faut de l'énergie. Oui. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Le brut, au lieu de l'exporter, nous allons le transformer sur place. D'accord. En le transformant sur place, nous allons produire tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire les besoins de nos compatriotes et par extension des peuples de la Confédération. Cette raffinerie ne sera pas une raffinerie isolée, elle sera doublée d'un complexe pétrochimique. Les possibilités d'un complexe pétrochimique sont énormes. Les possibilités de transformation du pétrole en plusieurs autres dérivés, ce potentiel-là est énorme. À commencer par les produits pharmaceutiques. C'est une question de molécules. Nous allons mettre le prix qu'il faut pour que cela voie le jour. Nous sommes un pays où, des années, nos fils, nos petits-fils meurent brûlés vifs dans des classes en paillotte. En paillotte, tout à fait. Or, ce complexe pétrochimique peut nous permettre non seulement de réaliser des classes à moindre frais, mais mieux d'équiper nos classes avec des aides pédagogiques également à moindre frais. D'accord. Faites un peu de recherche, vous verrez le potentiel que le complexe pétrochimique permettra au Niger de réaliser. D'accord. La région de Dosso est retenue pour plusieurs raisons. D'abord, la raffinerie a besoin d'eau. Nous avons une nappe aquifère de 340 000 km carrés. J'ai dit 340 000 km carrés. C'est ça. Trois fois la superficie de certains pays
qui pensent qu'ils peuvent nous affamer oui. en empêchant à leur maïs de rentrer, de traverser. D'accord. 340 000 km carrés de nappe aquifère. Donc, problème en matière d'eau résolu. Nous avons des dizaines de milliers d'hectares disponibles dans cette région qui sont du domaine de l'État. Sur ces dizaines de milliers d'hectares, nous avons besoin juste de déclasser à peu près 7000 hectares pour construire. Ouais, là également, cette exigence est résolue. Nous avons les dispositions sécuritaires, puisque quand vous faites une raffinerie doublée d'un complexe pétrochimique, ce n'est pas vu d'un bon œil par tout le monde. Certains qui veulent nous voir végéter dans la misère ne reculeront devant aucun moyen pour entraver cette marche. D'accord. Donc, nous tenons compte également de l'environnement sécuritaire pour avoir choisi ce site de Dosso. Nous avons également un autre facteur qui est la proximité avec le pipeline qui traverse, fait couler les océans Atlantiques. Environ 1200 km. C'est tous ces facteurs favorables mis ensemble qui nous ont amenés à choisir Dosso. Et déjà, les sociétés sont retenues, elles sont invitées pour venir au Niger, discuter, voir quelle est la meilleure offre, puisque tout ce que nous ferons s'inscrira également dans ce souci de faire en préservant l'intérêt de notre pays. D'accord. Donc, cette raffinerie n'est pas une chimère, ce complexe pétrochimique non plus. Des compagnies sont retenues. Okay. Il reste les négociations qui vont suivre pour nous permettre de retenir la meilleure offre pour le bonheur et l'intérêt des Nigériens. D'accord. Monsieur le Président, avant une dernière question, Monsieur le Président, certains de nos compatriotes qui ont quitté le Niger au lendemain des événements du 26 juillet alimentent des fausses informations dans les réseaux sociaux sur votre gestion du pouvoir. Que répondez-vous face à ces critiques? Parce que chaque jour, on les voit sur les réseaux sociaux, hein, ce qui est dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'insecte éphémère. L'insecte éphémère. Elle est, oui. D'accord. Vous ne le connaissez pas, c'est ça qu'on appelle Soumgué. Ok. Oui. Il a des ailes. Tout à fait. Mais au bout de quelques minutes, il perd les ailes. Et il revient terrestre et non aérien. Aérien. Parce que les ailes ne lui seront plus d'aucune utilité. Utilité. Ouais. C'est la même chose que j'avais dite tout à l'heure. Okay. Par rapport à ceux qui ont fui et qui pensent, à partir de leur zone refuge, ils peuvent s'attaquer impunément au Niger. Ils sont au Nigeria, je vous ai dit, à Abuja, au quartier gracieusement mis à leur disposition, qu'on appelle Minister's Hills. Ils sont dans d'autres pays africains et européens, nous le savons, d'autres même américains. Ils ont mis entre eux et nous deux à trois océans. Mais le Niger, c'est le Niger. Bien sûr. Et le Niger est éternel. D'accord. Les gens qui ont choisi de vivre en exil vivront longtemps en exil. Nous avons vu des chiffres fantaisistes, macabres, où
les éléments des FDS sont tombés dans une embuscade entre ESA et Tankademi. 500 morts. Les FDS du Niger sont tombés dans une embuscade entre Ikarfan et Sanam. 237 morts. Et malheureusement, il y a des oreilles apparemment saines, je dis apparemment, qui écoutent ces absurdités et qui tiennent un des comptes des organisations avec la couverture d'une certaine crédibilité. J'ai vu une communication où, depuis le 26 juillet 2023 au 26 juillet 2024, nous sommes à 1006 morts. J'ai dit, mais finalement, il ne reste plus rien de l'armée. Mais ça, c'est leur souhait. Mais Allah est avec le Niger. Et rien de ce qu'ils prédisent pour le Niger ne se réalisera, Inch'Allah. D'accord. Nous les écoutons, nous notons. Et chacun répondra de ses actes, chacun répondra de ses écrits, chacun répondra de ses propos. Le Niger est éternel. Et je l'ai dit, nous prendrons les dispositions à travers les assises pour que des garde-fous, des dispositions particulières soient prévues, même dans 100 ans, en espérant qu'ils survivent 100 ans. 100 ans. Ce qui n'est pas possible. Allah est grand. Mais ils ont tous au-delà de 50 ans. Pour l'instant, ceux qui ont 150 ans au Niger, j'en connais pas. D'accord. Et certainement, Inch'Allah, c'est pas eux qui feront exception. Mais quel que soit le temps que ça prendra, même si c'est pas avec nous, ça sera avec d'autres Nigériens qui ont vécu ce que nous avons vécu, qui ont connu ce que nous avons connu, qui ont lutté ce que nous avons combattu et qui ont pris conscience, plus personne ne peut se mettre à deux pas de la frontière et attaquer le Niger impunément. Chacun rendra compte le moment venu. Et c'est ce que j'ai dit à ces oiseaux de mauvaise augure. D'accord. Ce qu'ils pensent, c'est sur eux que ça va retomber. Mais nous avons encore un autre adage en Hausa qui dit Barewa Batatuma Anteirehe. Géri si sarsar isoma fanak. Matukulu kanti. Gérise. Nyo halu denwa gagana. Boraidin kan goga salam. Irga bay mayyanu. Irga bay mayyan izenu. Et ce n'est pas une surprise pour tous les Nigériens qui connaissent ces gens et qui connaissent leurs géniteurs. Mais, comme je le dis, chacun répondra de ses actes. Et comme le dit le Coran, aucune âme ne répondra à la place d'une autre. D'accord. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Monsieur le Président, pour conclure vraiment cette grande interview, quel sera votre mot de la fin? C'est d'abord le dire et le répéter, notre gratitude envers les forces de défense et de sécurité qui se sacrifient pour garder debout notre pays. D'accord. C'est un devoir de compassion envers les veuves et les orphelins, qu'ils soient des FDS ou des victimes martyrs civils.
C'est un devoir de gratitude envers le peuple nigérien qui a compris la marche et qui s'est engagé irréversiblement, résolument vers la conquête de la souveraineté, de l'indépendance et de la dignité totale du Niger. C'est un devoir de gratitude envers les pays de la Confédération et tous les pays amis qui ont également compris notre démarche. Enfin, le souhait que cette saison hivernale qui a commencé se poursuive pour que les 80% de Nigériens qui vivent de l'agriculture et de l'élevage pratiquent l'agriculture ou l'élevage pour assurer leur survie et, au-delà de la survie, leur prospérité, bien sûr, avec l'État qui sera toujours garant du contexte et de l'environnement sécuritaire leur permettant d'exercer cette activité. J'aurai également une pensée à toutes les personnes qui sont affectées par certaines catastrophes naturelles, notamment les pluies abondantes cette année, où nous avons déjà malheureusement dépassé le taux en termes de victimes deux à trois fois. D'accord. Donc, c'est un devoir de compassion, mais nous assurons les Nigériens que toutes les personnes affectées par ces difficultés liées au phénomène climatique seront soutenues dans la mesure des moyens de l'État du Niger. D'accord. Permettez-moi également de profiter pour, une fois de plus, féliciter les agents des impôts. Des impôts. Tous ceux qui ont rendu possible cette mobilisation de ressources exceptionnelles qui a en conséquence permis à notre pays, malgré les pronostics les plus sombres, de rester debout, d'assurer les dépenses de souveraineté. J'ouvrirai enfin une parenthèse pour parler de question de pensionner. Oui. Aucun peuple ne veut voir ceux qui ont servi le pays se retrouver dans une situation de misère. Misère, tout à fait. Et c'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est évertué à travers cette mobilisation exceptionnelle des ressources pour que, avant la fin de chaque mois courant, que les pensionnés soient payés pendant ces 10 mois. D'accord. 10 mois d'embargo. Oui, 10 mois d'embargo, tout à fait. Si à un certain moment, au niveau des services compétents, il a été constaté que au moment où le paiement était trimestriel, les sommes dues étaient à peu près le tiers des sommes trimestrielles actuellement. Il y a des questions à se poser. À se poser, tout à fait. Il faut peut-être voir la méthode la meilleure pour que l'on sache qu'est-ce qui se passe exactement. Mais rien que dans le cadre du paiement
des bonifications qui sont trimestrielles conformément au décret qui les accordait. Nous avons de 2023 au premier semestre 2024 des dépassements de 5 milliards 433 millions. Ah, oui. Il faut qu'on sache oui, bien sûr. Où sont passés. Oui. Et ça, je parle seulement de la bonification. Bonification. 5 milliards 433 millions, c'est à peu près 800 classes. Oui, oui. 800 classes. 800 classes, tout à fait. C'est combien de milliers d'élèves oui. qu'on aurait sortis oui. des classes Payotte. Oui, tout à fait. Et cela, je crois que aucun grand-père, aucun père ne voit à redire bien sûr. Si le fait d'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque cette hémorragie et porter des solutions, je crois aucun parent ne trouvera cela comme un manque oui. d'égard envers les anciens. Oui, bien sûr. C'est peut-être la méthode par laquelle c'est fait, peut-être la spécialité de certains Nigériens qui n'ont aucune connaissance sur l'objet, le pourquoi, mais qui passent leur temps à écrire sans chercher à s'informer. S'informer oui. Peut-être que ce sont ces éléments mis bout à bout qui ont créé une certaine situation de, je ne dirais pas de tension, d'accord. mais de malaise. D'accord. Où certains ont cru comprendre que le service compétent n'a aucun égard pour les anciens. Ouais, ouais. Ce service qui est disposé à se déplacer, même pour aller payer les pensionnés qui sont immobilisés, voilà. du fait de l'âge ou du fait de la maladie, ce service-là est quand même un service qui a fait preuve de disposition bien sûr. Appréciable. D'accord. Il faut comprendre le problème souvent pour éviter oui. de polémiquer et de créer des frustrations qui ne devaient pas être. D'accord. Voilà ce que je veux dire aux Nigériens et je leur rappelle que la route est longue, les embûches, ça ne manquera pas, oui. mais notre détermination fera la différence. Tous ensemble. D'accord. Bonne chance et que Allah subhanahu wa ta'ala continue à couvrir le Niger et le peuple nigérien, l'AES et tous les pays amis de sa rahma. Je vous remercie. D'accord. Monsieur le Président, merci pour cette grande interview où vous avez évoqué pratiquement tous les grands sujets de l'heure. Merci infiniment et excellente soirée à tous.